Bon, alors, ça faisait combien de temps? Une vingtaine de jours? 14. 30, 35. Ouais. Environ 2. Ah, 2 jours, c'est bien. Non, c'est 2 mois en fait. Ah, quand même. Ah, il faudrait peut-être penser à sortir un peu de chez vous. À lâcher l'écran. Bon bah c'est bien Jean-François, t'as tenu 1 minute 30, tu fais beaucoup de progrès. T'arrives même à dire bonjour maintenant. J'aime. Et puis tu sais, dans la vie réelle, c'est pas comme devant les ordinateurs. On peut pas faire ça quand on veut. Il faut savoir se retenir, si tu n'y arrives pas, il faut que tu mettes la main devant les yeux. Bon Axel, est-ce que tu as fait les exercices comme je t'avais demandé? Oui. Oui, la dernière fois que je suis allé dans un magasin, j'ai sorti ma carte bleue. Je l'ai mis dans l'appareil. Mais j'ai pas réussi à rentrer le code. Oh, mais vous imaginez pas à quel point c'est facile de pirater un terminal de carte bleue. Et puis quand ils ont votre numéro de carte bleue, après, c'est comme partout, ils réussissent à avoir votre numéro de téléphone, à avoir votre adresse mail, puis les vendre à des sociétés privées qui vous inondent de spam et de publicité pour vous inciter à acheter des trucs qui servent à rien, qui... Et puis j'ai pas envie d'être fiché, je refuse d'être fiché. Mais finalement, je me suis calmé. Puis je me suis souvenu que en fait un compte bancaire, bah, vous pouvez le supprimer. C'est pas comme certains autres. Alors bah, j'ai fait un chèque. Je peux vous montrer. Hein, la prochaine fois, j'apporte mon relevé de compte. Voilà. Alors vous aimez vous? Bon, maintenant on va aller voir le profil d'Alexandra. Ah, tu n'es plus sexy pussy 06. Ce que je vois, c'est Mien You. Ah, c'est mieux. C'est bien mieux. Et puis, il n'y a plus seulement des photos de nu. Tu mets des maillots aussi maintenant. J'aime. Et alors la mise en situation, ça s'est passé comment? Bah, il m'a donné rendez-vous, on s'est retrouvés au parc. Je pensais pas que ça se passait comme ça, moi, en vrai. Je peux faire un com? Ah non, ça suffit. On ne commente pas la vie des autres. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas ta vie. Bon, allez. Est-ce que vous avez tous utilisé votre pillbook? Ça vous a fait du bien. Souvenez-vous, le pillbook, c'est votre meilleur arme contre les réseaux sociaux. Allez, on répète. À mon pillbook, je peux me confier. Avec lui, ma vie reste privée. Mon pillbook n'en dira rien. Je lui parle et ça fait du bien. Ça sert à rien. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Mais c'est vrai.
À quoi ça sert de raconter sa vie si jamais personne n'en sait rien? Mais enfin, Mi, tout n'a pas toujours besoin d'être partagé. Il faut aussi que vous appreniez à garder certaines choses pour vous. Et puis, si parfois, certaines choses ne sont pas archivées, vous existez quand même. Et si vous avez besoin que ça sorte, vous avez le pillbook. Il est là aussi pour faire s'envoler les mots. Allez. Et si on se confrontait à la vie réelle, au monde extérieur? Mademoiselle, excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous auriez une cigarette, s'il vous plaît? Et non, faut que je poste ça.